Salam alaikum, bon ramadan à tout le monde. Bon, aujourd'hui on va voir donc un boîtier que j'ai confectionné pour tester donc des bandes de LED qui se trouvent dans des tilets pour la réparation des LED quand on a un problème de lumière, de backlight. Donc comme vous voyez ici, donc on peut procéder donc à un test d'une seule LED ou d'un bandeau complet. Donc on va essayer donc une LED, on va la tester séparément, individuellement, comme ça on repère le plus, le positif, donc c'est le point en cuivre, donc et le moins, on va voir que si ça s'allume ou pas, donc voilà le plus, voilà le moins, et voilà, donc ça s'allume, on a un voyant de la LED verte du boîtier s'allume aussi, ça indique que la LED est bonne. Et donc là, le boîtier il comporte deux LED, une verte c'est pour témoin de test, ou une lampe rouge c'est une lampe donc qui nous indique que le boîtier est alimenté, il est branché sur le réseau secteur, bien sûr, d'alimentation. Et on a donc aussi un bouton donc qui nous sert donc de régler, d'ajuster donc notre tension de puissance selon les cas, donc si on a le besoin, et si on a le bandeau complet, on va le voir. Donc, d'ici le mois, on le teste. Donc, il paraît que ce bandeau est bon et toutes les lettres s'allument sans problème. Donc, on va voir. Donc, en chapeau, c'est l'ensemble des lettres qui s'allument ou pas. مشتعله بدون مشكل دونك ما يدل ان هذا المصدر هذه مليحه سو بون دونك لي بون توت لي لات سون بون فوالا كما vous voyez donc cette LED est très importante, la LED verte ça nous montre donc qu'il y a un passage donc du courant sans problème dans la liaison. Et on peut aussi tester donc ce type de LED qu'on trouve souvent sur les composants, sur les trucs électroniques, bien sûr dans l'électronique, domaine de l'électronique. On a l'anode, la cathode, on place les cordons, ça s'allume et on voit là que la LED aussi s'allume, la LED verte, ça indique donc que la LED est bonne aussi. On a ce type de bandeau aussi, on peut tester ce type de bandeau, donc c'est un ruban à trois LED, vert, rouge et bleu. Donc on a un plus qu'on doit, donc c'est le plus commun à toutes les LED. On a le R, le G c'est le green et le red c'est le rouge. Donc la note c'est le plus et les autres c'est selon les... Voici la bleue, donc toutes les LED bleues s'allument. Ici c'est les LED vertes, red. Donc on peut tester ça, ce genre de ruban aussi sans problème. Voilà, séparément. Chaque ligne on la teste séparément. Comme ça on s'assure que le bandeau est bon. Voilà, ce boîtier, donc on peut l'utiliser en tant qu'alimentation donc ajustable ou bien un testeur de strip. Pour les bandeaux de LED ou bien un test de continuité simplement entre l'alimentation, si on l'utilise en tant qu'alimentation, ça diffère sur les sorties du cordon. Je vais vous indiquer ça dans mon site là en détail, parce que les sorties de le moins le plus c'est commun, mais le moins pour le cas de test de LED est différent pour le moins de l'alimentation, parce qu'on a introduit donc en série donc une LED verte que vous avez vu tout à l'heure pour nous indiquer donc la continuité. Voilà, c'est un autre type de LED aussi, LED à point. Voilà, et vous trouverez tous les détails donc dans la description sur mon site. Je vous laisse l'adresse de mon site dans la description.
Et merci pour la prochaine, inchallah, et salam.